Hop. Alors, on va démarrer l'enregistrement maintenant, hein, pour YouTube, que YouTube ne perde pas tout. Allez. Salut à tous, on se retrouve sur Seven Deadly Sins pour faire les invocations. Donc on est sur Twitch, malheureusement, parce que YouTube déconne à plein pot, à plein tube, hein, en ce moment, on va dire. Et du coup, là, on va continuer les invocations, donc aller jusqu'aux 900 gemmes, donc 450 gemmes. Donc du coup, pour atteindre forcément les 450 gemmes, je me suis pris le pack monté de rang, hein, qui coûte 44 euros, hein, enfin 43,99, et qui permet d'avoir 250 gemmes si on a atteint le level 80, hein, parce que c'est des gemmes qu'on obtient avec la montée de level. Mais ça reste toujours rentable, malheureusement, c'est achetable qu'une seule fois. Hein. Donc une fois que c'est acheté, après, pour la suite du jeu, ça sera plein pot. Voilà. Donc, on va regarder ici. Voilà, l'achat de l'eau. Et on est monté. Ah, merveilleux, 523 gemmes. Ça fait plaisir, hein, clairement. Donc on est parti pour la suite des invocations sur le Grand Cross Festival. Ah là là, on est pile à la moitié, là on va aller jusqu'au bout. Hein, au bout du bout, attention, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Hein, parce que pour l'instant, j'ai eu ni Lost Vein, ni Elisabeth DS en 450 gemmes. Hein. Par contre, j'ai eu pas mal de Melaskula. Hein. Voilà. Donc, clairement, non, je dirais que c'est pas Melaskula, le gris à mort du portail. Je dirais accessoirement que c'est la Lilia verte. Voilà. Bref, on est parti. Attention, première multi. Hop. La multi Twitch, hein, c'est une grande première. Ouh, Yaok, Yaok. Allez, counter. Ah non, 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 non. Non, il se fait claquer le beignet. C'est dommage, il y avait Hook. Alors, peut-être, peut-être. Hein. Attention, le tirer. Tirer bleu, on peut skip. Donc là, ça veut dire que j'ai un SR soit Elisabeth, soit Meliodas. Et c'est un SR Elisabeth. Ok. Hein, donc le Hawk Trollesque. Allez, on continue. Ah, il n'y a pas de Hawk là. Il n'y a pas de Hawk. Et apparemment, il n'y a pas de SSR non plus. Ah, quoique. Hein, donc au niveau des SSR, moi, toujours derrière I, hein, tant qu'elle dépasse Playmax. Salut Mister Rose, Crit, tout ça. Et merci. Allez, passe à travers la petite boule des feux. Non, ça pète au milieu. Et du gold, il y en a beaucoup. Il y en a trois. Je pense pas qu'il y ait de fake out, hein, vu l'animation. Ouais. Ok. Bon, ça, les deux premières multi commencent très mal. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Bon, on continue. Alors, le portail est à 4% quand même, hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 96% qu'on n'ait rien du tout. Hein, je le précise, c'est pas parce qu'il y a 1% de plus que tout de suite c'est plus rentable. Bref. Il y a du hawk. Ouh! Et deux SSR, hein, le petit escanor. Alors. Attention. Ouais, YouTube déconne là, au niveau des lives. Donc du coup, je me retrouve sur Twitch. Parce que le contenu n'attend pas. Alors. Escanor! Ceux qui viennent d'arriver arrivent au bon moment. Je pense. Ah, ça, je peux me faire troller. Hein. Je peux me faire troller comme je m'étais déjà fait troll. C'est-à-dire que dans les SSR si y a Hawk, il y a une chance que ça soit Meliodas Démon Bleu aussi. Hein? Voilà. C'est pas forcément Lost Vein ou Elisabeth DS. Donc déjà au niveau du SR, c'est pas Meliodas ni Elisabeth. Donc ça veut dire que déjà, il y a une possibilité. Hein, parce qu'il y a deux SR à la fin. Donc là déjà, c'est... Allez. Boum! Yes! Yes! Oh! C'est soulagement. C'est soulagement. Allez. Allez. En plus, là, je pense que j'ai tout le matos pour la mettre 80 direct. Ah, le Twigo.
Twigo MVP. Ah là là. Elle est rare. Et le deuxième. Et le deuxième. Estine. Ça, c'est plutôt cool. Bon, je m'en sors pas trop mal quand même. Hein, parce que c'est deux bons personnages. Il y a peut-être du fait coûte. Hein, comme il y a deux SR à la fin. Non, pas fait coûte. Et. Et voilà. Ok. Bon, ça fait plaisir déjà. Un petit plaisir. Ok. Et bon, on continue. Hein. On continue le portail quand même. Il y a de bonnes unités dedans. Hein. Et là, je viens d'investir un minimum. Donc, je veux avoir des SSR un maximum. Alors donc on continue, hein. On a dit on allait jusqu'au bout, hein. Et après on verra le choix de ce qu'on prendra à la fin. Allez, c'est parti. Là il n'y a pas de hook. Pas sûr qu'il y ait du SSR là. Non, ça repousse. Là ça sent la multi bien SR. Et le tirer. Tiré bleu, ouais, c'est le tiré skip, le tiré bleu. Ok, allez, on va sur le SSR garanti. Ah, pas de hook là, pas de hook. Ah, j'ai cru voir un petit soleil, mais non. Ah, c'est le ciel est pas nuageux, mais il n'y a pas de soleil non plus. Là, on se fait claquer le beignet. On se rassure en se disant qu'il y aura le SSR garanti. Ah, voilà, tiré bleu. Au moins c'était rapide. Là c'était rapide. Alors, c'est là que ça devient important. C'est là la chance qui rentre en compte. Est-ce que je vais avoir Elisabeth ou Lost Vein ou aucun des deux? Ou Derriere, hein? Attention. Attends. Attends. Attends, Frodine. Je vais juste regarder. Parce que Frodin, je l'ai tellement qu'il y a moyen qu'il soit SP max là. Alors, il est où ce Frodin? Ah, Madame Elisabeth. Alors, Frodine. Et voilà. Et voilà. Frodine SP max. Oh mon Dieu. Je l'ai trop eu ce perso. Bon, du coup, maintenant, ça vaut presque le coup de le monter comme il est SP max. Parce qu'il est un passif. Qui dépend de sa puissance d'attaque. Et du coup, bah, sa puissance d'attaque en spé max augmente bien, quoi. Donc, à voir si je le monte ou pas. Mais ça me ferait chier, hein, parce que j'ai d'autres unités à monter. Hein, clairement. Bon. Wally Walou. Alors, on fait les dernières 300 gemmes. Et il me restera 73 gemmes pile. Oh mon Dieu. Et après, il faudra rééconomiser pour, je pense, le jour de l'an. Voilà. Portail du jour de l'an. Allez. Et sinon, il y a toujours la CB magique. Alors, pas de hook. Pas de hook. Ah, malheureusement, pas de hook. Et apparemment, pas de SR, de SSR non plus. Ah, je crois que la chance, elle est partie en vacances, là. Ouais. 3 tirés bleus d'affilée, quand même. 3. Hein? 3. On perd pas espoir. Enfin, moi aussi, un peu quand même. Ouf! Ouf! Là, il y a du hook! Il y a du hook, il y a des étoiles dans le ciel, tout ça. Là, il y a deux SR. Deux SSR. Là, ah non, il n'y a pas les. Si. Ouais, possibilité. Possibilité. Parce que là, on a toutes les animes. Même avec le tiré gold. Ah, le tiré gold, je crois qu'il a foutu le seum. Il aurait fallu un tiré arc-en-ciel. Là, je vais avoir qu'un seul. Ouais. Alors. Bah, faut avoir des doublons de Grand Cross Festival. Donc, faut avoir des doublons de Elisabeth DS ou de Lost Vein pour prendre Lost Vein.
Voilà, c'est des doublons spéciaux. Hein. Alors. Yes! Bon, il y a encore une possibilité qu'un comment? Qu'un cristaux doré se pète, hein, pour un deuxième SSR. Des coups de main sur le... Attends. C'est bizarre le truc. Le portail, ça serait une nouvelle Jericho. Jericho de glace, en fait, avec les pouvoirs de son frère. Ouais, SP4, ouais. Derrière SP4, on va la monter tout de suite. Non, ça se pète pas. Ah, mais il y a encore une possibilité, hein. Comme on a eu un Hawk. Comme là, on n'a toujours pas eu d'Elisabeth ou de Meliodas. Ah merde, je l'avais pas vu. Si, on l'a eu en fait. Mais j'avais pas vu, j'étais tellement choqué par la venue de Derrieri. Donc on va monter la petite Derrieri SP4. Enfin, qui est maintenant SP4. Wesh, je laisse l'anime, hein. C'est tellement bon de monter l'aspect de Derrieri. Et Estine, elle est SP combien maintenant? SP4 aussi, Estine. Ça monte, hein, ça monte. À part Frodine, on a eu du bon SSR. Hop. Alors, faut savoir que la nouvelle Jericho est en step-up, hein. Mais il faut savoir aussi que en décembre, il y a le demi-anniversaire. Donc il risque d'y avoir du lourd quand même. Alors, on continue. Hein. On continue les invoques. Attention. La barre est à peine remplie. Je veux du Lost Vein. Je veux monter Lost Vein un peu quand même. Hein. Pitié le jeu. Ah, du Hawk. Du Hawk, du Hawk, du Hawk. Un petit clin. Ah, c'est bon. C'est rassurant. Voyons ce que ça va nous donner. Ah, dommage, on n'a pas la bonne épée. Enfin, je sais pas quelle est supérieure, l'épée de Meliodas, la clé en fait des démons, ou... Est-ce que deux SSR là? Dites-moi. Parce que là, on a techniquement toutes les animes à part l'épée. Et je sais pas laquelle est la meilleure épée. C'est celle-là, ok, c'est l'épée de Lise, la meilleure épée. Donc là, deux SSR avec un Hawk, ça sent bon. Ça sent bon, ça sent bon. J'ai de la chance, ouais. Putain, ils étaient si loin, les SSR. Il arrive là. Il est là. Et c'est... Ah, c'est Zeldris. Cool. Un petit Zeldrissou. Toujours bien, hein. Je rappelle que Zeldris a la même spé que Jericho, donc tant qu'on peut monter sa spé, c'est une bonne nouvelle. Allez, le deuxième, c'est là que ça fait peur. Hein. Faut que ça soit Lost Vein ou LIDS. Ah merde! SR Elisabeth. Ah ça pue du huc. Allez. Oh Valentin. Bon ça va, ça va. Je veux dire en termes de SSR il y a pire, hein, clairement. Donc Zeldrissou ou Valentin. On va monter l'SP hein, parce que là c'est quand même des bons persos. Alors Zeldrissou, t'es où? Donc déjà Valenti. Un SP5 Valenti. Non, ça monte, hein. Ça monte, ça monte avec les différents portails.
Je suis qu'à un level du spé max. Et donc le Zeldrissou qui se trouve ici. Je crois qu'il a le style. Je l'adore. Je l'adore Zeldriss. Ah, il se P2. Voilà. Bon, il y a moyen de l'avoir plus hein, avec les tickets SSR partie 2. Mais pour l'instant, c'est P2. Voilà. Donc c'est toujours ça de gagner. Allez, on continue les invoques. Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu! Ouais, c'est une des plus belles armures, celle de Zeldris. Ah là, ça sent le SSR, mais il n'y a pas de hook. Ah non, ça, finalement, ça sent pas trop le SSR. Hein, quand je vois la branche, je me dis c'est la branche MVP qui va counter. Ouais, je m'arrête à 900 gemmes. Ah, je me disais, il n'y a même pas de tiré. Hop, l'anime était tellement dégueulasse que j'ai préféré skip. Allez. Et pour pas faire une vidéo trop longue non plus, hein, parce que là, on record, hein, pour ceux de Twitch qui ne le savent pas. Donc là, il n'y a pas de hook. Tristesse. Bon, il repousse quand même. Bah, des coups, chez c'est de l'arabe, hein, de toute façon. Donc, c'est pas une expression de daté. Hein. Alors, on skip. Allez. Ah yes, la branche MVP. Bon, par contre, j'ai pas regardé. Il y avait pas hook. Hein. Non, il y a pas hook. Si, il y avait hook. Ah bah, du coup, ma hype remonte sur le... Ah bah, de toute façon, le SSR, il arrive direct. Donc... Ouais! Ça, c'est bien, c'est bien. Donc, il y a de fortes chances que l'unité que je choisisse aux 900 gemmes, ça soit Lost Vein. De grandes chances. Donc, spé2 là, Elisabeth, comme Zeldris. En plus, ça va trop me servir de monter sa spé pour le boss guild saison 3. Ah là là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir tellement. Tellement. Allez, on continue. Dire que j'ai rien eu pendant les. Ah, y a du hook. Ouais, non, là, ça sent mauvais. Dire que j'ai rien eu. Enfin, techniquement, entre Lost Vein. De personnages Grand Cross Festival dans les 450 premières gemmes. Et que là, la chance remonte légèrement. Ah. Par contre, on a eu beaucoup plus de tirés bleus que lors des premières invoques. Mais heureusement qu'on a eu deux fois Escanor, donc ça a rattrapé un peu au niveau nombre de SSR. Allez, encore 3 multis. Hein. Attention, Yaok, Yaok, Yaok. Ah non, ça, là, c'est exactement la même qu'on a eu tout à l'heure. Ah, je sens que ça... Yes, un petit counter. Donc, il y avait Hawk. Il y avait Hawk, attention. Attention, il y avait Hawk. Hein, ça rigole pas. Ça rigole pas. Quand il y a Hawk, ça rigole pas. Attention. Alors, il se place où? Il se place. Attends, au début ou à la fin là? À la fin. C'est le dernier. C'est le dernier. Il est en bout de piste. Bah, si t'es bientôt 300 kilopop, autant y aller quoi. Là, c'est le portail, il y a vraiment beaucoup de bons SSR. Hein.
contrairement aux différents portails qu'on a eu jusqu'à enfin dernièrement. Eh ben garde les doublons, Michael. Tu pourras acheter au prochain Grand Cross Festival, tu pourras acheter Elisabeth. Allez, il est où le SSR? Je veux le voir, je veux voir mon Lost Vein. Encore Estine? Je l'ai eu trois fois pendant les invoques, hein, quand même. Je crois qu'elle est Spemax du coup. Attends, on va vérifier. Estine Spemax. Je crois qu'on l'a monté tout à l'heure. qu'on l'a monté SP5 et du coup maintenant. Ah non, 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 elle était SP4. Ok. Donc elle n'est pas encore Spemax. Non, c'était un autre personnage qu'on avait monté SP5. Bon. Elle a bien monté quand même, hein, vu qu'on l'a eu trois fois. Allez. Ah, il y a du Hawk. J'aime voir Hawk. Attention. Attention. Counter. Non, il repousse, donc tout n'est pas perdu. Même si là, on va dire que ça sent un peu des fesses. Ah, tiré bleu. On peut skip. Qu'on est à combien là? Oh, c'est la dernière. C'est la dernière. La dernière. Hop. Ah, Luhawk, pour finir. Et donne-moi un SSR pour finir là. Un petit Lost Vein. Pas chipoté. Hein. Elle est le tiré. Donne-moi de l'espoir sur le tiré. Allez, passe à travers la bulle du feu. Non, ça pète au milieu. Allez, lumière arc-en-ciel. Yes! J'y ai cru jusqu'au bout et j'ai bien fait. Donc il y avait du Hawk. Donc peut-être le Svein. Allez, donne-moi du Lost Vein. Ah, oh, mono, mono, ah, pas de boule, ah, pas de bol, pas de bol, pas de bol. Alors, on est sur la partie 1, est-ce que à la partie 2, si je me trompe pas, on aura. De quoi? Tu parles de quoi, Kilou Pop? Hop. Donc là, je vais monter l'aspect de mono et bien sûr l'aspect de Lost Vein. Hop. Et voilà. Donc, on va le festival. Bah après là, c'est pas l'anniversaire. On n'est pas à l'anniversaire. On n'est pas aux events d'anniversaire comme il y avait eu sur la Jap. Là, on est sur l'anniversaire de Baltra, qui est un event OZEF. De début de jeu, en fait. Donc tout ce qui est au boss, tout ça, je sais pas si ça arrivera la semaine prochaine. Allez, on monte. Mono. Attends, on monte Lost Vein aussi, hein, tant qu'à faire. Donc SP3. C'est déjà ça. Et l'Elisabeth. Attends, elle est où Mono? Mono. Qui est maintenant SP5. Ah, j'ai bien monté les disasters. Hein. Hop. On va regarder un peu ce que fait l'anime. Hein, voilà, l'animation. Hein, comme ça, on cut la vidéo. Après, donc, on active. On le stun. Allez, un petit stun. Hop, des familles. Après, un petit bouclier anti-perforation. Et après, un petit reflect dégâts qui fait toujours plaisir. Et donc ça, sur le boss de guilde, donc qui aura des dimanches,
Ah, c'est le feu. C'est le feu. C'est merveilleux. Bref. Voili voilou. On va s'arrêter là pour la vidéo. Et donc, on se retrouve prochainement pour je sais pas si je vais continuer à invoquer sur le portail. Bref, salut à tous et à la prochaine.